Arrête de faire ta vedette, on est juste toi et deux. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont contentes de voir le cowboy. Qui ça? Ton public imaginaire? Bon, t'es pas dans ton plate ce matin, Foxy. Take a coffee. Ben justement, j'attendais que t'arrives avec le lait. L'as-tu acheté le lait? Shit, Foxy. T'aurais dû me l'écrire. Cowboy, t'avais une chose à retenir. Acheter du lait. Mais qu'est-ce que t'as acheté? La pâte. J'avais pas le choix, Foxy. La pâte est en spécial. La pâte est toujours en spécial. À ta place, là, je me poserai des questions. C'est parce que c'est la best American beer? Toutes les raisons sont bonnes pour boire ta maudite pâte. C'est parce que c'est la meilleure bière en spécial, Foxy. Tu vois, il y a toujours un bon raison pour acheter de la bière. Ouais, mais dans le café, là, pas sûr que c'est une bonne idée. Ça doit pas être tellement bon. Qu'est-ce que tu fais là, mon lait? Prends le gaz de ton cheval de garde et mets du Baileys. Le cowboy a besoin de relaxer, Foxy. Il va prendre un bon bière. Tu me décourages, cowboy, des fois, là. Foxy! As-tu lu l'article dans le graph ici? Non, puis je veux même pas le savoir. Depuis les élections, je le lis même plus. Depuis que la journaliste a pété sa coche, là. Puis elle t'a fait la morale, en plus. C'est pas grave, Foxy. La journaliste, elle voulait juste dire comment faire mon campagne électorale, et c'est sûrement parce qu'elle voulait aider le cowboy pour qu'il gagne. Tiens, le maire de Hangaspé n'a pas mis son chemise verte flash cette semaine. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, cowboy. Puis il est assez beau là-dedans. Ça devait pas être lui qui porte le vert flash. Ça devait être tous les gens de Hangaspé avec comme espoir qu'il fasse un bon job. Franchement, cowboy, t'es déçu parce que t'as pas gagné? Si les 47% qui sont restés chez eux étaient allés voter, ben le cowboy les aurait écrasés les autres candidats et aurait gagné. Pas grave, cowboy, on est bien ici à Gaspé. Oup, 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 qu'est-ce que t'as dit, Foxy? On est bien ici à Gaspé? You have failed! Nous sommes à Fox River ici, et non en Gaspé. Ha! Mais voyons, cowboy, il me semble que depuis les fusions, Rivière-au-Nord, c'est Gaspé? Non, parce que tous les chialeux et les fraîchis sont en Gaspé. Ceux qui se pensent en ville. Moi, je vais au marché des saveurs. Moi, je bois un allongé au café des artistes. Moi, je travaille à 3 minutes de chez moi. Bla, bla, bla. Les vrais Gaspésiens sont à Fox! En pas de guerre, cowboy. À Gaspé, ils sont peut-être plus fancy, mais ce sont de vrais Gaspésiens. À part de ça, cowboy, là, si on resterait dans une grosse ville, là, on aurait d'autres problèmes que le placotage. On aurait les ponts, on aurait le trafic, on aurait... Hey, Foxy, j'ai un joke pour toi. Combien de temps, en moyenne, une personne de Montréal prend pour aller travailler en voiture? Je sais pas. 1h15. Combien de temps, en moyenne, une personne de la ville de Québec prend pour aller travailler avec son char? Je sais pas. 40 minutes. Combien de temps, en moyenne, une personne de Gaspé prend pour aller travailler? 10 minutes? Non. 0 minute. Ils sont tous sur le chômage. Oh! Franchement, cowboy, on est beaucoup à travailler par ici, là. C'est juste un joke, Foxy. Sur cette bonne blague, je vais aller chercher ton lait.